magnifique. C'est classique. Bientôt, bimweka binone kabiakacha. Bimweka bilongamukalas. C'est classique. Bientôt, bien deni note. C'est Mozart qui s'exprime. Et une note l'une Mozart en gayende. Je me rappelle quand on était derrière Rema Shekina pour la dédicace. Dieu vous l'aurait demandé pour ma chala à tout vous coup Shekina. Ils ont aussi un groupe de sœurs de l'église qui chantent, des frères. Mais c'est le frère Mwambanzambi qui était avec Luna qui... Quoi? Il n'y a pas de son ici. L'interprète n'entend rien. C'est là-bas ou ici? Ici, ça ne donne pas. Allô? C'est trop bas. Volume, c'est que volume est trop bas, là-bas. Maintenant, ça va? C'est toujours la même chose? Bon, allons-y, ils sont en train d'améliorer. Arranger, ce n'est pas encore arrangé. On a besoin que ça soit arrangé. Je crois que, comme je le disais, parce que le dimanche passé, nous avons eu un peu, il y a un frère de Londres qui m'avait écrit il y a 3 jours ici. Les sons ne passaient pas, ceux qui nous suivaient à Londres là, il a dit que c'est comme ces derniers temps, je ne sais pas si... Ma plainte est arrivée à la cabine quand j'ai dit au secrétaire Badi, parce qu'il se plaigne, même aussi les fils de Frère Kamba qui se trouvent en Australie. Ils ont dit aussi que la première partie de mon introduction, tout ce que j'avais dit, on ne suivait pas. Il y a beaucoup ceux qui se sont plaints. Je pense que c'est bon de pouvoir ajuster ces choses-là. C'est un point important aussi. Nous avons dit que Nous avons dit que parce qu'il y a certaines personnes qui habitent loin des églises, ils ne savent pas atteindre. Il y a des familles aussi qui sont connectées avec nous pour assister, participer à notre culte. Des étudiants, des enfants qui sont en Chine, partout là-bas. D'autres qui n'ont pas, qui se trouvent à distance, qui n'arrivent pas à arriver là, se trouvent l'église. Ils se connectent à notre site. Quelquefois, ils se réveillent le matin, d'autres à 3h du matin, coupent le sommeil pour suivre. Alors il faut que les choses soient de la bonne manière. Walu tinijing bo ni kalma manyan chani. Budi bana betu, badi bika le bumbu kile mwabeu, baju kile mwabeu, batanga le kumbulo bubujima ya mishishilana, di bika le basani. Pinye mi abidi basani bo yi, budi bakwabu, mwabu di muso mbelu ko endu kumbelu ko babenda. Ni mwabu uji eklezi bo kika tali janzan, ntanta mula mutam. Kene mushindo akala uyu kun tokma fukonsto. Ki bon kayi, bo bo abadi mwakala, budi bana baloni, bakwa badi kushinda. Je suis venu à la maison de la
Merci beaucoup. Alors, nous répétons encore que c'est le dimanche prochain ici que nous aurons notre grande manifestation des actions de grâce pour les 42 ans de l'existence de notre Église. Nous demandons aux chorales qui sont programmées d'éviter des cantiques de danse parce que c'est une journée de méditation et notre Église n'est pas un bar, un lieu de danse, mais dans la réjouissance, quand quelqu'un se sent poussé, il peut se lever, mais nous voulons plus des cantiques de méditation qui vont nous faire réfléchir comment nous avons passé les 42 ans. Ainsi, je crois, parce que ce lieu, c'est un sanctuaire, un lieu sacré, où nous venons pas avec des sentiments du corps, mais quand nous sommes conduits par l'esprit. Et des paroles qui sortent là, ce sont ces paroles qui peuvent nous emporter dans une autre dimension. Je rappelle qu'on puisse surveiller aussi parce que la vidéo de la fois passée, c'était trop vite. Moi, j'ai suivi ça dans les sites. Les images passaient très vite et puis les sons. Donc, essayez un peu. Je crois que nous avons même commencé même à négocier avec ceux de Vodacom pour qu'on puisse nous aider à nous installer un équipement qui sera bon. Ils m'ont suivi. C'est aujourd'hui que nous avons dit que nous continuons encore avec la partie de notre instruction que nous donnons à nos jeunes enfants, la manière bonne d'entrer en mariage. Nous avons ce grand thème, le choix d'un époux ou d'une épouse. Le dimanche passé, j'avais oublié de montrer que dans ce grand sujet, j'ai 5 petits points. Et le premier point que nous avons parlé, sur lequel nous avons parlé le dimanche passé, c'était le choix à faire dans la vie. Les 5 points sont les suivants. Le choix à faire dans la vie, ça c'est le premier point. Le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, mise en garde du prophète.
Et troisième point que nous verrons encore aujourd'hui, un constat amer. Et puis le dimanche prochain, parce que je voulais vraiment que ça puisse bien nous pénétrer, le dimanche prochain, nous allons terminer avec les deux autres points. Le quatrième point, le respect des vœux. Et puis le quatrième point, et puis le cinquième point, ce sera la conclusion. Donc ce grand thème sur le choix d'un époux ou d'une épouse, je l'ai subdivisé en 5 points pour que nous puissions bien saisir cela. Le choix à faire dans la vie, et puis la mise en garde du prophète s'adressant à nous, et puis un constat amer. Quand toujours dans le choix et le respect des vœux, enfin nous arriverons à la conclusion. Mais aujourd'hui, nous touchons deux pour le deuxième point, la mise en garde du prophète est un constat amer. Mais je dois rafraîchir votre mémoire pour une petite révision. Et sur le premier point qui est le choix à faire dans la vie. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et nous commençons, nous lisons le texte qui va nous ouvrir pour le deuxième point, mise en garde du prophète. C'est toujours dans ce grand thème. Genèse chapitre 24. Verset 3 à 4. Nous lisons toujours depuis le verset premier. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, oui, prendre une femme pour mon fils Isaac. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour nous avoir accordé encore la journée d'aujourd'hui et continuer cette instruction que nous donnons à nos jeunes. Faites que l'attention de tout le monde soit soutenue, Seigneur. Que ta grâce vienne sur moi, Seigneur, dans toute douceur pour transmettre ta parole. Faites vraiment que cette transmission puisse atteindre
L'objectif, Seigneur, assiste aussi mon interprète pour qu'il trouve des mots appropriés pour que chacun comprenne, Seigneur. Car nous avons quitté nos maisons et certains sont postés dans leur poste pour suivre ce que nous ne voyons pas qui sont des par le monde. Assiste-le aussi, Père, surtout les jeunes, pour qu'ils comprennent. Parce que ce que nous transmettons, ce n'est pas nos pensées, mais ce que tu nous as dit aujourd'hui par ton prophète. Merci, Seigneur, pour ceci. Conduis-moi maintenant par ton esprit. Parle au travers de moi. Faites que la chose puisse atteindre l'objectif. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Je voudrais encore rappeler aux jeunes de pouvoir très bien être attentifs. Parce que cette instruction vous concerne. J'ai bien voulu à ce que je répartisse ce sujet en différentes parties. Pour que vous puissiez bien comprendre et saisir la chose. Et vous, dans la jeunesse, nous devons bien vous encadrer. C'est un grand point que je présente ce matin, qui est la deuxième partie de ce que nous avons commencé le mardi, le dimanche passé. C'est un point très important. Comme je le disais le dimanche passé, si nous sommes en vie, toi et moi, si nous sommes venus dans ce monde, toi et moi, il y a eu deux personnes. Mon père, ton père, ma mère et ta mère, qui se sont unis dans un mariage pour que nous puissions être amenés à la vie. Si nous avons eu la grâce d'avoir les parents jusqu'à ce qu'ils sont ils ont quitté ce monde et ne sont pas, n'ont pas divorcé, il y a eu quelque chose dans ce choix-là, peut-être. Papa avait trouvé une bonne femme. Et maman avait trouvé un bon mari. C'est pourquoi ils ont vécu ensemble jusqu'à ce que Dieu les a retirés. Où ils vivent ensemble jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Dieu fera que le temps arrive où l'un va quitter l'autre. Et papa ni maman, c'est vrai, il y a eu d'autres foyers. Nos parents qui n'ont pas été instruits selon cette voie ici, qui se sont mariés, n'étaient pas selon les normes de la parole de Dieu. Nous avons vécu ce foyer troublé quand nous sommes nés. Des coups qui se passent, ont tabassé maman par papa. Mais malgré ça, ils se sont non pas divorcés. Ils nous ont gardés jusqu'à ce que nous sommes à cet âge. Ou vous avez des parents qui sont comme ça, qui se battent encore, mais qui ne sont pas séparés. Mais laissez-moi vous dire, si vous avez des parents comme ça, ils ne sont pas encore des chrétiens. Ils ont besoin de la nouvelle naissance. Soit papa ou maman. Mais dans des foyers chrétiens, les accrochages ne peuvent pas manquer. Mais
les gens avancent toujours. Mais à vous, cette occasion vous est donnée pour que vous puissiez très bien comprendre. Alors, nous avons introduit le dimanche passé. Je dois faire une petite révision pour l'intérêt de l'auditoire qui n'est pas ici, qui ne suivent pas, qui n'est pas ici, plutôt l'auditoire qui ne nous voit pas, mais qui n'avait pas bien suivi le dimanche passé, donc ceux qui nous suivent par notre site internet. Nous souhaitons la bienvenue au vice-maire de la ville. C'est déjà lui. Adjoint. Maire Chindonda, Mulombo de Wachimenga Chetwich. Parce qu'il m'avait téléphoné hier qu'il voulait venir communier et prier avec nous. C'est pourquoi j'avais instruit le président du conseil des diacres d'arranger son accueil. Elle est venue avec son hôtesse aussi. Maman, sois la bienvenue. Et tu Et aussi, monsieur le maire, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous remercions Dieu car nous avons des autorités qui aiment Dieu, qui viennent prier et communier dans la parole de Dieu. Alors, je vais réviser un peu pour rafraîchir la mémoire sur les premiers points, les choix à faire dans la vie. Nous avons voulu introduire pour rappeler ce que c'est que le choix. Nous avons lu dans le dictionnaire. Et je relis encore pour rafraîchir votre mémoire. Je répète, regardez-moi. Vous les enfants, fixez-moi. Vous les parents, fixez-moi. Là, vous ne serez pas distrait. Suivez attentivement. Le choix, c'est quoi? On dit action de choisir quelque chose ou de choisir quelqu'un, de le prendre de préférence aux autres. Action de choisir. Choisir alors c'est quoi? C'est un verbe. Faire des comparaisons entre plusieurs choses. Quand vous faites la comparaison, vous exercez aussi votre jugement. Ça dit pour l'appréciation ou user de son goût. Pendant plusieurs choses, vous comparez. Vous exercez votre jugement ou votre goût en comparaison pour prendre quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Comme nous, notre thème, c'est le choix d'un époux ou d'une épouse. Donc, un homme doit
Voyez, fait la comparaison d'entre les filles et les femmes. En exerçant son jugement ou son goût pour prendre quelqu'une de préférence aux autres. Et vice versa. C'est pourquoi le prophète a donné ce message, le choix d'une épouse. Alors il a rappelé ceci. Dans le choix d'une épouse, ça c'est un rappel. Dans le premier point, les choix à faire dans la vie. Au paragraphe 31, il a dit, dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. C'est-à-dire que de comparer. Dans bien des domaines de la vie, soit dans les mariages, soit dans les études, soit dans n'importe quoi, ou une moto, vous faites le choix, vous comparez une voiture, vous appréciez, vous comparez. Mais vous devez avoir un jugement, un goût, une pensée, une... l'idée, l'image. C'est pourquoi dans ce sujet, le choix d'une épouse ou d'un époux, nous voulons vous donner les jugements que vous devez avoir dans votre tête, toi jeune fille, les jugements que tu dois avoir dans ta tête, toi jeune garçon. La façon quand vous allez comparer, comment, quel est le choix que vous devez faire? Quel caractère, quelle personne vous devez retenir? Parce que le mariage est la chose indispensable. Vous avez remarqué notre texte d'introduction ici. Abraham avait souvent envoyé Eliezer en mission. Dans des différentes missions. Mais arrivé à ce point précis, pour le choix d'une épouse pour son fils, vous avez remarqué l'acte qu'il a fait. Il a appelé Eliezer. Nous lisons le verset 2 de Genèse 24. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel. Toutes les autres missions qu'Abraham confiait à Eliezer, il ne faisait pas l'acte de mais ici, pour ce qui est des choix pour l'épouse de son fils, là il veut faire un acte avec un serment. Pour que nous comprenions que c'est très sérieux. Mais quand nous revenons dans le choix, comme le prophète l'a introduit, dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Le mode de vie lui-même est un choix. Nous avons le droit de suivre notre propre voie.
de choisir notre propre manière de vivre. Vous voyez, c'est à partir d'une comparaison. Oui, je choisis maintenant de vivre comme ceci. Au paragraphe 32, l'instruction lui-même, elle-même est un choix. Nous pouvons choisir soit de faire des études, soit de ne pas faire des études. Nous avons le choix. Est-ce que vous au balcon vous me regardez? Vous les enfants là-bas vous me regardez? Regardez-moi s'il vous plaît. Vous avez l'occasion d'être instruit par rapport aux parents qui sont entrés en mariage comme ça. C'est pourquoi vous remarquez des incidents, des troubles dans les foyers. Mais vous suivez bien, parce que c'est ce que vous devez voir dans votre pensée. Quand tu dois faire le choix, ou quand tu dois apprécier le choix d'un homme, les biens et les mal, c'est un choix. Pourquoi le prophète touche ces différents domaines comme ça? Parce qu'il a dit que dans bien des domaines de la vie, il nous a donné la possibilité de choisir. Le mode de vie, c'est un choix. L'instruction, c'est un choix. Ou étudier ou ne pas étudier, c'est un choix. Voyez, nous pouvons choisir soit de faire des études, soit de ne pas faire des études. Les biens et les mal, c'est un choix. Tout homme, ça c'est le prophète qui parle, toute femme, garçon, fille, doit choisir soit d'essayer de mener une vie droite, ou de ne pas mener une vie droite. C'est un choix. Ça, c'est ce que nous avons voulu rappeler, rafraîchir que sur les choix. Mais comme nous parlons sur les choix d'un époux ou d'une épouse, nous voulons nous attarder dans le mariage. Alors c'est au paragraphe 35 qu'il dit, il y a un autre choix que nous avons dans la vie, et c'est celui d'un compagnon de vie. Compagnon de vie, pas compagnon de route, pas compagnon des études, parce que ça prendra fin les études, parce que la route va arriver à sa destination. Mais compagnon de vie, celui qui sera votre compagne de vie sur cette terre. Je parle aux femmes. C'est lui qui sera votre compagnon de vie sur cette terre, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il entre dans la tombe. Une compagne de vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est pourquoi nous vous posons la question. Quand vous vous tenez devant moi ici, voulez-vous avoir cette femme ou cet homme comme votre mari légitime? Légitime.
Dans ces cinq rangs de mariage. Pas n'importe quel mariage. Mais dans ces cinq rangs de mariage. Tu me dis oui mon pasteur. Toi tu me dis oui mon pasteur. Et je reviens encore. Promettez-vous de l'aimer. De l'honorer, de là où le chérir, d'abandonner tous les autres hommes, ou d'abandonner toutes les autres femmes, vous ne restez attaché qu'à lui seul, ou à elle seule, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous dites oui. Je reviendrai à ça quand je toucherai les points le dimanche prochain sur le respect des vœux. Bien que ça sera notre dimanche d'anniversaire, mais je parlerai. Il y a eu beaucoup de questions que vous posiez. Je crois que si vous, j'ai préféré que ce soit chaque dimanche, pour que vous n'ayez pas les raisons que j'étais aux études, j'étais bloqué, j'étais au travail. Je reçois des SMS des jeunes filles, des jeunes garçons qui se plaignent, des patrons qui sont des frères ici qui les ont engagés le dimanche, qui les obligent d'aller travailler. Ça, c'est pas un chrétien. Sa cupidité est allée au-delà. Frère Banama dit c'est un péché de ne pas aller à l'église le dimanche. À moins qu'il y ait des raisons qui peuvent faire que vous suivez la bande, ou des raisons majeures. Mais pour ta cupidité, tu as eu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, et ouais, dimanche encore, ça c'est méchant. Maintenant, tous les jours de la semaine, tu les as bloqués. Ils n'écoutent pas la parole. Maintenant, ce qui peut leur fournir les efforts spirituels, vous les priver. Maintenant, quand il commencera à voler, oh, voilà, pasteur. Voyez, si vous êtes là, changez cette façon de travailler. Respectez le jour du Seigneur. Ce n'est pas un sabbat pour nous, mais c'est le jour où notre Seigneur a rendu, il fut ressuscité. Je reviens dans le choix d'une épouse, paragraphe 35. Il y a un autre choix que nous avons dans la vie, c'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme, une jeune femme qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Il a le droit de faire son choix. Écoutez ce choix-là. Le jeune homme choisit. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser.
nsonga ka xiwujini bukenji bo kuitaba eshi kubenga jisungula eshi jiyiti bamwele ku nsonga le maboko musene. Ici ce que je vous lis et ce que je proclame avec assurance parce que c'est Dieu qui nous a parlé. Ebi mitubindi mus ni ndimbyamba moyi musomba mukobo bwachini udumubyamba nzambi. C'est Dieu qui nous a parlé par son prophète. Ça fait partie du message que Dieu nous a envoyé. Je m'excuse pour les pasteurs d'autres églises. Des communautés. Il va lire la Bible. Il va comparer à partir d'autres versets. Pour trouver une idée de ce qu'il va dire, il peut faire ses commentaires. Mais il n'est pas tout à fait certain. Vous voyez, à moins qu'il répète un verset de la Bible. Mais ce sont des choses de sa tête. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous avons reçu un prophète. La Bible dit dans 2 Chronique 20:20. Laissez-moi faire asseoir ces déclarations. Pour que ces citoyens, je vous lis, soient force de loi. Un prophète, il faut faire très attention. C'est la bouche de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Jehoshaphat qui était roi des enfants d'Israël, il avait fait cette déclaration devant son peuple. 2 Chronique 20:20. Le lendemain, il se mit en route de grand matin pour le désert de Tekoa. Il dit que le Mouinjila a dit de boire Batangila. À leur départ, Jehoshaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Si vous voulez réussir dans le mariage, suivez ce que je vous lis, William Branham dit. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Mais notre prophète à nous, on lui communiquait par la colonne de feu. Cette colonne de feu, c'est Jésus-Christ dans la forme spirituelle. Jésus-Christ est où? Le même Jésus. Hier, il était dans ce corps de chair. Aujourd'hui, il est sous la forme de la colonne de feu. Et sa présence est ici. Ce qui vous réjouit là, c'est sa présence. Quand vous sentez l'onction, c'est sa présence. Quand moi je prêche, c'est aussi sa présence. Alléluia! 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 Il est vivant! Il est ressuscité! Il est vivant! Il est ressuscité! Il est ressuscité! Il est vivant! Il est ressuscité! Il est vivant! Qui est-ce? Qui est-ce? Acclamez pour le Seigneur! Et la yes. Vous hey! Yes! Hey. Nous avons eu la visitation de Dieu dans ce temps de la fin. Dieu dans la chair humaine. Il nous a parlé dans cet âge. Il nous a parlé dans cet âge. Est-ce que vous me suivez très bien? Le peuple d'Israël connaissait la place d'un prophète. Parce qu'un prophète, c'est le voile qui voile Dieu. Remarquez ici dans Exode 34.
Je ne suis pas vraiment sorti du sujet. Mais je voulais bien préparer votre esprit pour que ce que je vous communique, vous sachiez de qui ça vient. Ce ne sont pas mes pensées, comme de là où nous sommes venus dans les communautés. Ici, nous vous parlons de la part de Dieu. C'est la Bible qui dit: confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alors, remarquez ce que, comment le peuple juif considérait un prophète. Ils connaissaient qui était le prophète. Exode 33. C'est une petite parenthèse pour que vous soyez sûr de ce que je vous lis. Verset 7. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp. Exode 33, verset 7. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp. Je raconte. Quand il a placé là-bas, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse sortait de sa maison pour aller dans la tente d'assignation, recevoir des oracles de Dieu et sortir rapporter au peuple? Voici comment ça s'est passé. Jean-Pierre, que Dieu te bénisse. Jean-Pierre, j'aime te voir faire chanter. Okay. Écoutez verset 8. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple s'est levé. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Remarquez, quand Moïse sortait, chacun sortait de sa maison, se tenait avec respect devant la porte de Satan. On suivait Moïse qui sortait de sa maison, qui partait pour aller entrer dans la tente d'assignation et avec respect. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez verset 9. Et lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. Quand Moïse ressortait de la présence de Dieu, quand vous pouvez faire ça, c'est Dieu qui parle. Il fait seulement toi, viens. Parce qu'il va me dire ce que Dieu a dit. Quand il disait rassemblez-vous, là, il s'attendait pas, il savait que ce n'est pas Moïse. Il va nous dire ainsi dit le Seigneur. Je ne vais pas sortir du sujet, mais je voulais que vous sachiez ce que c'est qu'un prophète. Nous en avons eu, nous le peuple des gentils. Et vous sentez vous-même cette déclaration quand nous vous le retransmettons, vous sentez que ça c'est la vérité. Un jeune
jeune homme ou une jeune fille qui débute dans la vie a le droit de faire son choix. Nous sommes les mêmes sont cachés. Où du jeune homme ou quoi les hein, nous sommes les lois à nous. Où d'une bouquet je vous conseille de sonner là. Le jeune homme choisit. Sont à la mode sonner. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Où que je monte que t'es où d'une bouquet je vous quitte d'abord et je coupe bien. Il ne faut pas forcer. Que bien lui qui ne coince c'est tout. Mais c'est quand même un choix de deux côtés. Quand dit nous c'est que yon suit puis dit. L'homme et la femme ont tous deux le droit de faire le choix. Parce que le prophète l'a dit au paragraphe 58, le genre de femme qu'un homme choisira ça reflétera son ambition et son caractère. Apprenez ça aujourd'hui. Constatez ça aujourd'hui. Et c'est une leçon pour toi, jeune homme. Parce que la femme doit refléter les goûts de l'homme. C'est ça son goût. Quand il a comparé parmi tant d'autres, dans son goût, dans son jugement, il a trouvé que c'est celle-ci. C'est pourquoi il dit, si un homme choisit la femme qu'il ne faut pas, ça reflète son caractère. Et ce à quoi il se lie montre ce qu'il y a véritablement en lui. Tu dis moi ne m'oule pas ou la macanana ou suka kanana na. Qui tu dis tu les aimes mais ne tu le monde moi. Cette compagne de vie. Muka je odi nyane ba wamoy. Il se lie pour toute sa vie. Odi odi suka ne wa mafukwe no tombo yablo. C'est le choix qu'il a fait. Parmi tant d'autres, il a comparé. Et tu veux que c'est celle-ci. C'est ça le goût de son cœur. C'est ça sa nature. Cette femme reflète son goût. C'est pourquoi il dit, peu importe ce qu'il déclare, observez quel genre de personne il a épousé. Parce que c'est ça son goût. Quand tu dis, mais comment il a épousé une femme comme ça? Où les parents disent que moi, comment il est arrivé à... Comment notre fils ici est parvenu à épouser une telle femme? C'est pourquoi ils ont commencé par la fréquentation. Prenez du temps de la fréquentation. Pour découvrir le vrai caractère de l'homme. Ou le vrai caractère de la femme. Comme une des enfants, une fille qui m'a écrit. Bien, je vous. Je sens que je dois arrêter avec les frères avec qui nous faisons la fréquentation. Qui me fréquente plutôt. Frère, chaque fois qu'on se retrouve, on déjeune toujours dans des querelles. Je dis, c'est ça la raison de fréquentation. Quand tu vois que tu veux arrêter, ce n'est pas un vœu. Arrêtez parce que quand vous voyez déjà ça, c'est comme ça que vous serez dans les foyers. Vous voyez? Pour accepter ce choix, il faut prendre aussi du temps. La honte de lui, William parle.
Je suis encore dans la je révise encore les premiers points là. Les choix dans la vie. Il a voulu rappeler dans son église la déclaration qu'il avait faite ce jour-là quand il a prêché le choix d'une épouse à Los Angeles. Maintenant, ici c'est au Branham Tabernacle. Il rappelle à son église. Honteux de lui. Du 11 juillet 1965. Paragraphe 27. Il dit, ma dernière réunion, la dernière réunion que j'ai eue. Bon, je prends l'endroit. J'étais en train de prêcher à Los Angeles, à Biltmore Auditorium, et j'ai parlé d'un homme qui s'est choisi une épouse. Est-ce que vous me regardez, moi, Kaja? Je confonds, c'est pas elle. C'était l'épouse de Frère Tabala. Quand on commençait l'église, c'est le couple, qui était plus âgé. On disait à Frère Tabala, son mari, Mais comment toi tu laisses les petits enfants t'entraîner comme ça? Une parenthèse. Tout beaucoup. Vous savez quand on chantait? Parce qu'elle venait de Malemba. Quand on chantait, elle avait toujours les attaqué. Et moi, Moulumba aussi avait ces histoires-là. Ni moi, Moulumba, ou nous, pas moi, non, vous êtes ni attaqué. Et puis, maman dit Sanka, quand on priait, maman dit Sanka, quand on dit prions, elle regardait que vous avez fait un peu de temps. Donc, elle surveillait. Elle ne fermait pas les yeux, elle disait que va falloir qu'on y ait un moumoui. Hâte vous tombez ni tout samilai, boigne tu inam. Yeye que vous buitez Christo, vous chalamu tabala, vous samilai mu tabala. Boigne vous amenez tout, même vous buitez Christo, ils peuvent venir me ravir mon Saint Esprit. Faut que je sois éveillé. Nous venons de loin. Ah, tout ton bouquet est goulé, ben. Qu'est-ce que la cacache mine? Je vous dis parce qu'il faut des temps comme ça pour que ça vous a réveillé un peu là. Ningenze, tout bien tout en machine de boigne. J'ai dit, cela reflète son caractère et ses ambitions, donc la femme que l'homme choisit. Lorsqu'un homme s'est choisi une femme, s'est choisi une jeune fille pour qu'elle devienne sa femme, il s'est choisi une, vous savez, une fille moderne. Une espèce de Riqueta. Cela montre simplement ce qu'il est. Parce qu'il ne voit que la beauté extérieure. Et si l'épouse une reine de beauté, une reine de sexe,
ou quoi que ce soit, cela montre ce qui est réellement dans l'homme. Mais un chrétien recherche le caractère chez une femme. Parce que la beauté va faner. 20 ans, pas de rides, c'est joli. 24 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les rides commencent. 50 ans, 40 ans, à moins qu'elle s'efforce avec les produits de beauté. Mais les rides ont déjà commencé, les sur une pente. La beauté que tu cherchais commence à faner. Des seins sont tombés comme des chaussettes maintenant. Tout ça a changé. Tout ça a changé. Ce qui était debout est tombé. Et les rides commencent. Les cheveux blancs commencent. C'est la beauté. Tu commences à trouver maintenant que ça ne va pas. Mais si tu choisissais le caractère, le caractère de la nouvelle naissance, même si elle se déforme, mais le caractère reste là, vous allez toujours vous aimer. Mais un chrétien recherche le caractère chez une femme, car il envisage fonder un foyer avec cette femme dans l'avenir. Il prend une femme au foyer pour qu'elle vous voyez, c'est ce que je voulais rappeler dans ce que nous avons dit comme les choix à faire dans la vie, mais surtout dans les mariages. Maintenant, le jugement que tu dois avoir quand tu dois sélectionner ou comparer. Maintenant, le prophète vous instruit. Comment faire le choix? D'abord à partir de la Bible, notre texte que nous avons lu, relisons encore Genèse chapitre 24. Abraham a dit à Eliezer, verset 3, quand il devait mettre sa main sur sa cuisse, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Canaan, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Dans nos traditions, on imite ça, mais c'est pas dans nos tribus là. La patrie d'Abraham, c'était à Cana. Et peut-être c'était l'endroit où Dieu nous avait choisi. Dis-moi, on devait faire attention. C'est pourquoi c'est le prophète qui parle maintenant. Voici maintenant la mise en garde du prophète. Avant d'arriver à cette mise en garde, voici d'abord la loi que Dieu avait placée au milieu des enfants d'Israël. Ils avaient qui était le type de l'église. Un peuple choisi. Un peuple élu par Dieu. Qu'est-ce que Dieu, comment Dieu leur avait instruit? Nous sommes dans Deutéronome chapitre 7.
Nous lisons d'abord dans la Bible. Nous reviendrons au prophète. Moïse avait réuni les enfants d'Israël en ce temps-là. Il leur rapportait les paroles de l'Éternel. Deutéronome chapitre 7. L'Éternel, ton Dieu, t'aura, et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession, il s'est encore en route dans le désert pour aller vers la terre promise. C'est-à-dire, quand vous arriverez là-bas, dans votre destination, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Éthiens, les Girgaziens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, ainsi de suite. Verset 2. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Et tu ne leur feras point grâce. Écoutez verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils. Qui servirait d'autres dieux? Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruirait promptement. Ça, c'est Moïse qui communiquait au peuple. Et Moïse, Moïse qui était leur prophète. Et des paroles comme ça, Israël tenait. Parce qu'il voyait comment Moïse entrait dans la tente d'assignation. Et comment Dieu descendait. Que Moïse sorte de sa maison. Même s'il n'est pas entré là-bas. Mais il commence à leur parler. Ou donner des orientations. Ils obéissaient à ça. Pourquoi? Parce que c'est un ami de Dieu. C'est quelqu'un qui traite avec Dieu. Nous voyons comment Dieu lui parle. Quand il nous parle, nous devons écouter ça. Vous voyez? C'est pourquoi pour les enfants d'Israël, ils ne pouvaient pas épouser quelqu'un du dehors du milieu d'eux. C'est Dieu qui leur avait dit ça par Moïse. Et maintenant nous aussi les prophètes nous disent ceci. Toi ton prophète dit ceci. Quand Moïse disait ça aux enfants d'Israël, il prenait ça au sérieux. Il ne pouvait pas épouser une personne de l'extérieur. Nous en arriverons au constat amer, le cinquième et le quatrième point. Maintenant nous sommes dans la mise en garde du prophète. D'abord c'est Moïse qui a mis en garde. Vous qui me suivez même par notre net, si tu es encore célibataire, faites attention. Le prophète parle. Moïse s'adressait à son peuple en ce temps-là. William s'adresse à toi maintenant. Dans sa prédication, Hébreux chapitre 3,
prêché le 1er septembre 1957. Et c'est comme Moïse parlait aux enfants d'Israël. Il était prophète. William Branham nous parle aussi de la part de Dieu. Paragraphe 172 à 173, autrement 172 à 173. Parce que quand on était à Paris là-bas, quand on parlait de 70, ils se regardaient. 70 c'est quoi? C'est le chiffre des Belges. Et c'est 72, 70. En France, en Paris, tu as le Mubuza. Oh, 73. France, la Bible dit, c'est le prophète qui parle. Je vous ai lu l'ordonnance dans la Bible. C'est que Moïse a rapporté au peuple pour comment il devait marcher dans les mariages. Et à nous l'épouse, notre prophète nous dit ceci. Mon prophète va tout tomber nous. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Est-ce que vous me suivez bien? Je vois des jeunes filles qui sont endormies là. Alors que c'est à vous qu'on s'adresse. Paragraphe 173. Je voulais vous transmettre le prophète lui-même. Un jeune homme qui se marie et épouse une fille qui ne croit pas, ou une jeune fille qui épouse un garçon qui ne croit pas, vous ne devrez pas faire cela. Peu importe combien il est mignon, ce beau garçon-là, ou combien elle est mignonne, cette jeune fille-là, et combien elle a de grands yeux, ils finiront toujours tous par se faner. Un de ces jours, mais mon frère, votre âme vivra éternellement. Prenez garde à ce que vous faites dans les choix des mariages. Prenez garde à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante, ou s'il n'est pas un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un tel joug. Peu importe combien il est mignon, toi jeune fille, faites attention avec ce roublard là, ce garçon là, parce qu'il est beau, tu ne connais pas son caractère. Surtout c'est un païen. Il dit, éloignez-vous de pareilles choses, cela vous causera des ennuis le long du chemin. Parce que c'est ton compagnon de vie. Le long du chemin, tu auras des problèmes. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas ton état dans les mariages. Parce que s'il te chasse, tu es lié à cet homme. Faites attention de vous engager avec des païens. Regardant à l'invisible, le prophète parle. La mise en garde du prophète, c'est dans les choix là
Quand tu compares dans ton choix, ne choisissez pas une païenne. Ne choisissez pas un païen. Tu auras des ennuis tout le long du chemin. Regardons à l'invisible. Prêchez les 1958. C'est le prophète qui parle. Prophète. Paragraphe 12. Il dit, il y a quelques jours, je suivais une émission à la radio. En venant à l'école de dimanche. Et l'on avait organisé une table ronde avec les adolescents de Louisville. C'est-à-dire qu'une émission comme Tebe me fait quelquefois, il invite les étudiants du campus, on est tenté de parler sur la médecine. Et là, à la radio, on a invité des adolescents. Et avec les journalistes, maintenant on parlait sur le choix. Choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Il dit l'une des choses les plus importantes dans cette enquête, c'était pour une fille de trouver un garçon aux cheveux bouclés. Ou pour les garçons de trouver une fille aux beaux yeux bleus ou bruns. Alors, quand il s'est changé là, comment vous pensez le choix? En tout cas, pour bien, il faut une fille qui est comme ceci. Il y avait aussi des filles, mais toi, il dit que moi, il faut, nous préférons. Et voyez, donc, il communiquait ça comme base de choix. Rosette, même. Il dit, il semble que c'est une chose importante pour un adolescent. Mais discussion était sur ça. Quelle fille tu penses choisir? Non, en tout cas, la meilleure fille à épouser, celle qui est comme ceci. Si et un garçon qui est comme ceci, les filles pour dire non, pour un bon garçon c'est qui a la poitrine, des choses comme ça. Il semble que c'est une chose importante pour un adolescent, mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de trouver votre Dieu. Maintenant voici son conseil. Ne faites pas de mariage mixte. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Je reprends. Ne faites pas de mariage mixte. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je vous répète. Le prophète a dit. Dieu a dit. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire ici sur terre.
Et si vous épousez, ni wewo mokuse, ou faites ce qui est contraire à cela, à ce qu'il vient de dire. Wewo mokuse, est-ce que c'est dit? Wenze kintu kibenganga ne kiribambeki. Vous payerez pour cela dans les jours à venir. Yikale momani ni bwachi wenjaji, makonda na kubobela kuma. C'est le prophète qui parle. Vous écoutez ça? Nous nous bitélé. Les parents nous enverront encore les enfants. Balégi naba tutu mneka bidi bag. Ndaka konka pasteur. Allez demander au pasteur. Est-ce que benu kokuse la ko de montu kambanda? Est-ce que monsieur qui prie telle part, qui est comme ça, peut-il t'épouser? Mercredi, je vous apprends, je parlerai sur comment Dieu ne change pas d'avis quant à sa parole. Nous ne sommes pas des Balaam. Dieu dit, vous revenez encore pour que Dieu. Non, ne nous amenez pas, nous ne sommes pas des Balaam. Quand Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. Nous rions, mais c'est quelque chose d'important que je vous montre. Vous les parents, nous ne sommes pas des Balaams. Vous devez toujours vous en souvenir. C'est par la foi et non par la vue. C'est ça le conseil que le prophète donne. C'est le jugement qui met dans votre tête. Quand tu veux choisir, ne contractez pas un mariage mixte. N'épousez pas un garçon qui ne croit pas exactement ce que tu dis. Parce que vous serez en conflit. Tu crois comme ceci. La femme amène les enfants dans cette direction. Tu as des convictions comme ceci. La femme a une autre conviction. Les enfants vont suivre quelle position? Viens te faire baptiser. Pour que nous puissions nous marier. Tu te trompes toi-même. Tu es tenté de suivre les conseils de Dieu. Quand Moïse avait dit ça au peuple d'Israël, il devait rester dans cette ligne. Et vous suivrez ici comment un autre roi est venu sortir de la ligne. Je suis dans soyez certain de Dieu, c'est le prophète qui parle. Prêchez le 25 janvier 1959. Parce que à la fin de tout cet exposé, nous aurons une réunion de jeunes un après-midi. Commencez déjà à coucher vos questions. Nous aurons une séance de questions-réponses. Les parents seront aussi invités. Ceux qui voudront, ils seront au balcon. Et nous, les jeunes, nous serons en bas ici. Commencez déjà à déposer vos questions au secrétariat. Nous aurons un dimanche spécial où il n'y aura pas de mariage. En veillant où le dimanche où il n'y a pas de mariage, c'est là que nous ferons. Jika la kaku ijibaka jilongolo la kijitu kale mokuteke tsaini che dibaso
Notre thème sera question et réponse sur le choix d'un époux ou d'une épouse. Tiene bwalu cheto chitu ikala nachi muchisangili cheto. Na chikale jini ni nkonku ni manda muna. Haji sungula jamukashi wakusela ni hamulu maujunsela. Pour que vous soyez très bien éclairé. Bwani nui kala bato kashi lebilenga bita. Et que nous avançons de la bonne manière. Jibadi tumone mo kuyekumpa lebilenga. Soyez certains de Dieu. Tudi mudise ya nikala bato shobo bwanzani. Prêchez le 25 janvier 59. Je laisse le prophète vous parler lui-même. Ce ne sont pas des conseils de ma tête. Mais la personne qui traite avec Dieu. C'est lui qui est en train. Nous avons fait un peu de temps. Il était un enfant d'Israël. Il connaissait cette loi que je vous ai lue dans Deutéronome 7. Et Dieu avait interdit que les enfants d'Israël épousent les personnes du dehors. Aucun roi n'avait été méchant qu'Akab. La fille là en rouge, à côté de celui qui fait comme ça. Est-ce que tu me suis? Elle regardait de ce côté. Quand nous nous époumonons comme ça pour vous aider. Peut-être vous avez encore 15 ans, ça c'est normal, c'est vrai. Il avait pourtant été enseigné, il avait été pourtant enseigné dans Kaka. Et il savait ce qu'il devait faire comme vous. Mais il continua néanmoins de déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Paragraphe 5. Et puis lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre, qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel. Elle n'était pas une croyante, Jézabel. Et paragraphe 6. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. Jamais. Écoutez le prophète. Un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. En aucun cas. En aucun cas. Jamais. Et alors jamais. Un croyant ne devrait épouser un croyant ne devrait épouser un incroyant. Mon prophète Rouamani. On devrait toujours se marier entre croyants.
misang yos bena kuita buja bajini chabo kuselanga nalu bobunga yabo. Imagine canson, ce n'est pas les cançons, c'est Dieu. Aux milliers enfants d'Israël, on leur avait dit, pas question en dehors. Vous ne pouvez pas venir me taxer ici des discriminations. Ça, ce n'est pas de la discrimination. Même là-bas, chez les enfants d'Israël, Dieu leur avait dit, bah, c'est là, on a nouveau bon gars. Est-ce que vous m'écoutez? Nous l'ontez les jeunes. Que tous les jeunes gens, levez-vous, les filles et les garçons. S'il vous plaît. J'implore votre miséricorde. Répétez-moi. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. 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 On devrait toujours se marier entre croyants. Bella buita buja, babuni chabo kuselanga na lubobu ngayabo. Wale dituti la bana betu chikashi. Merci maître. Les parents acclamons pour nos enfants. C'est Dieu qui vous parle. Aujourd'hui, je vous prends à témoin. Eliezer. Mettez la main sous ma cuisse, moi, le pasteur de Bidi. N'allez pas épouser une incroyante. Il dit, mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Et lui s'était laissé séduire par son apparence. Plutôt que ce qu'elle était vraiment. Tant de gens commettent cette même erreur encore aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez bien? C'est les conseils du prophète. Comme je disais, mise en garde du prophète. Séparation avec l'incrédulité. Un autre message. Prêchez le 28 février 1955. Heureux, toi qui n'es pas encore entré en mariage. Wages. Parce qu'on te donne des éléments à utiliser quand tu dois choisir. Paragraphe 16 jusqu'à 17. Frère, parlant toujours d'Akab. Or, ce croyant frontalier, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Donc Akab, au milieu des enfants d'Israël, Dieu a interdit de contracter mariage à l'extérieur. Mais lui était frontalier. Il voulait un peu prendre de ce côté. Il avait plutôt une conception mentale de sa théologie. Qu'il pensait, eh bien, il y a un Dieu. Mais peut-être que Baal aussi est Dieu. Je ne méprise pas. J'aimerais que nous comprenions très bien. Mais j'instruis le troupeau. Même moi, je suis un homme qui a été. Il est quand même dans le groupe de prière, quoi, quand même en Jésus, non? Frère, toi, je suis un homme qui a été en groupe de prière. Il prie quand même Dieu.
Mais elle ne connaît pas les principes de la parole. Elle est encore dans les maquillages. Elle ne comprend pas et elle s'habille pour que les hommes le convoitent. C'est ce qui t'a attiré vers elle. Quand tu viens dans notre église, n'appliquez pas ces choses-là. Venez comme ça. Tu te trompes toi-même. Ou cet homme-là, quand tu viens chez nous, ne venez pas avec des pantalons là. On va te remarquer. Quand tu viens chez nous, mon père est sévère. Papa, ne venez pas avec des habits comme ça. Qui est en train de lui monter le tuyau? Tu te trompes toi-même. C'est. Vous savez, garçon, je vous dis ce soir, garçon, songalement. Vous les songalement, oubliez. Et vous, jeunes dames, faites attention à la personne que vous épousez. What a balela? Oudou le ni oudou sela. Vous savez, garçon, je vous dis ce soir, moi je dis, je vous dis ce matin. Et vous, jeunes dames, faites attention à la personne que vous épousez. Vous vous retrouverez bien vite avec un foyer brisé. Et il n'est pas bon que des pécheurs et des chrétiens se marient. Mon prophète Branham nous a dit, gardez le bimba, bien Christ, ni bien le diable, parce que là, na, toi. Est-ce que les parents me suivent? Ben les dimanches les gens. Est-ce que parents vous me suivez? Mais nous parlons dit, nous disons nous t'es légère. Levez un peu la main, vous parents, si vous me suivez. Mais les gens nous allons nous t'es légère la vie à Zakoul. Vous parents, est-ce que vous me suivez? Mais nous parlons dit, nous nous t'es légère. Nous ne sommes pas des balades, ne nous embêtez pas. Je vous montre la parole. Deux trois toi ne va pas le matin, Dieu nous habille. Quand nous y vont, puis écoute tout ton dessin sur un bel noir du bichito. Même Dieu nous a voulu libérer mon prophète. Vous suivez vous-même? Ouais, on gagne beaucoup de t'es légère. Vous vous retrouverez bien vite avec un foyer brisé. Il n'est pas bon que des pécheurs et des chrétiens se marient. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Car c'est ce qu'avait fait Akab. Elle était une très belle petite créature, donc Jézabel. Jézabel est où vous cachez moulin à Kumona? Oui, au visage tout fardé. Et yo, Jézabel, vous souhaitez où vous mouku fuite de la montée? Avec les yeux comme un lézard. Jézabel, vous m'avez où vous n'y mettez, mais elle vous a moussoté. Il dit, savez-vous quoi? Nous devons manger ici. C'est la vérité. Moulin là. Akab était simplement tombé amoureux d'elle. Akaba, parce qu'elle était peut-être jolie. En effet, il ne pouvait pas être tombé amoureux de son caractère, car elle était une meurtrière. Mais la beauté excellente, c'est ce qui l'a attiré.
Vous savez que c'est Jézabel qui voulait tuer Élie. Nous devons manier ni Jézabel qui voulait comment coucher mon prophète. C'est Jézabel qui avait tué le prophète de Dieu. Jézabel qui voulait que la coucher, c'est coucher pas prophète. C'était une femme étrangère. Qui a séduit Akab par sa beauté. Peut-être quand elle passait. Elle pouvait faire comme ça. Madame, Akab regardez. Jeune fille, ce n'est pas quand tu sors de l'église en marchant comme ça que le frère qui est sous le balcon va te regarder. Non. Où tu veux rester la dernière à sortir? Pour qu'on puisse bien te voir quand tu sors. Avec les hauts talons comme ça. Avec les sacs à main. Un roublard peut te regarder. Même à nous, quoi, manaka. Pour celle ci moi je vais mourir. Toi tu marches comme ça. Wendo. Lui aussi derrière. Mariez-vous entre des incroyants. Paragraphe 17. Savez-vous que l'homme le plus sage de la Bible, donc Salomon, à part Christ, est mort un païen idolâtre? Salomon. À cause des harems de jolies femmes, c'est Salomon. Et les ont éloignés de Dieu tout à fait. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ne nous écoutez dans ce chapitre mise en garde ce que les prophètes disent. J'ai vu des gens venir sur l'estrade pour la prière et être guéri et partir et se mêler aux incroyants. Leur maladie est immédiatement revenue sur eux. C'est William qui parle. William. C'est écrit ici. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. J'ai vu bien des gens venir sur l'estrade. Être guéri. Bondohim. Et partir guéri. Baye bondohim. Et se mêler aux incroyants. Et ta maladie est revenue immédiatement. Il a mis dans le contexte d'aller contracter les mariages avec les gens. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. C'est toi qui n'es pas encore né de nouveau. C'est pourquoi tes regards sont attirés vers l'extérieur. Mais un chrétien regarde l'intérieur. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Le 22 septembre 1957. Oui, je crois que c'est la dernière citation. Parce que constat amer, je ne toucherai pas ça. Paragraphe 355 à 356.
Un homme verra une petite Jézabel toute maquillée, vous savez. Moi, je ne suis pas un homme qui a été maquillé. Je suis un homme qui a été maquillé. Je suis un homme qui a été maquillé. Et rôdera autour d'elle. En tombant amoureux. Peut-être que vous avez une bonne femme déjà à la maison. Et ensuite vous vous appelez chrétien. Honte à vous. Vous avez besoin d'une nouvelle dose d'hôtel, c'est-à-dire venir à l'hôtel. Et certains d'entre vous femmes, vous portez vos regards sur un petit gars aux cheveux lissés, avec assez de vaseline dessus pour lui faire ouvrir la bouche ainsi de suite comme ça. Dans ce chapitre de mise en garde, j'ai voulu que vous saisissiez ce jeune homme. Ne contractez pas un mariage mixte. Depuis les enfants d'Israël, Dieu avait dit, je reprends dans Deutéronome 7, verset 3, tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs filles, à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils. Qui servirait d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. C'est là que Frère Branham a dit, je vis des gens venir à l'autre estrade et être guéri. Mais quand il rentre, il se mêle avec les croyants. Il se marie avec les incroyants. Ils vont l'amener dans une autre direction. Il nous rend des sacs. C'est plus que ça. Une femme qui apprend à l'homme comment procéder. Elle connaît déjà ça. Elle était déjà habituée dans les choses. Bon, ça va. Vous voyez, c'est à des choses comme ça qu'on parle de reine de sexe. Elle est dans toi, tu sais ce que tu aimes. Bien, mon prophète, tu as mené. Ouais, on s'en a le moment de Christ. Parce que quand tu as triché avec elle, tu as vu ces pratiques-là, c'est celle que je dois avoir. Mais tu ne sais pas que c'est ce qu'elle fait souvent avec les autres. Et dans le foyer, il va quand même dans le foyer, il va continuer parce qu'elle était habituée comme ça. Et n'est pas une croyante. Et ne connaît pas la parole de Dieu. Il a trouvé dans le monde. C'est ton ami de l'université. Vous avez évolué à l'université avec elle. Vous avez commencé dans cette vie-là. Toi, tu as fini par croire. Toi, tu as fini par croire. Mais elle ne veut pas. Pour toi tu as cru, lui ne fait pas. Et vous avez commencé depuis. Et là, vous arrivez, toi tu crois la parole. Lui ne veut pas ça. Et puis vous continuez toujours. Et vous dites que non, il faut que nous nous marions. Nous sommes déjà habitués. C'est un incroyant. Il refuse ton message.
charge. Je vous lirai le prophète dimanche prochain. Quand madame s'est donnée d'une fille qui venait à l'église accompagnée par un roublard. Quand ils arrivaient en voiture, les garçons se mettaient à côté et la fille entrait dans l'église. Les garçons étaient dehors. Quand le culte terminait, ils reprenaient la fille et ils partaient. Je vous dirai, c'est la partie que je voulais entamer, mais l'heure est avancée. Il dit la fille est perdue. Maintenant elle est dans l'éternité. Elle a fini par mourir. Vous voyez, faites attention. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous voyez, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Et il te détruira promptement. Quand tu fais des contrats de mariage comme ça, le choix d'un époux d'une épouse, c'est une chose sérieuse. Abraham a dit, faites prêtre serment. Prête serment. Parce qu'il en va de la vie de mon fils. Et toi, faites attention avec cette histoire. Ce que je dis ici, ça se fait. Vous avez commencé premier graduat. Vous progressez avec ces garçons. Et vous faisiez déjà des choses comme ça. Vous trichez comme ça. Et il arrive que toi tu crois la parole. Elle ne dit jamais. Nous dans le groupe de prière, nous sommes libres. Ou lui croit et toi tu ne crois pas. Mais vous continuez. C'est un incroyable. Mais vous voulez arriver jusqu'à vous marier. Lui c'est un incroyable. Et tu le conduis dans ce mouvement. Comme nous sommes nombreux, tu dis que non, c'est un frère. Tu te trompes toi-même. Tu pars tromper papa que c'est un frère. Tu le fais laver là-bas. Pas baptisé, mais tu le fais laver. Vous avez bien suivi. La mise en garde du prophète. N'épousez pas une incroyable. J'ai vu des personnes venir à l'hôtel malade. Priez pour eux. Ils rentrent guéris. Ils partent se mêler parmi les hommes. Ils sont à l'université avec les filles du monde. Vous êtes là. Je reçois des textos comme ça. C'est baisé. Des filles de cette église. À l'université. Université supérieure. Des garçons dans cette église. Faites cette histoire à l'université, on nous écrit ça. Université, Frère Banam a dit quelque part, quand un garçon baise une fille qui n'est pas sa femme, c'est l'adultère en puissance. Il dit parce que les glandes qui excitent le corps sont dans les lèvres. Prophète, tu vois,
Excusez-moi de vous dire, mais il faut que je vous explique. Lui a dit ça comme ça. Parce que tout le corps est excité, les garçons sont excités, les femmes sont excités. Adultère en puissance. Wa chini mo profeto duwa meni mbamana kuenda masanyi munda mwa bomo. Maternité sacrée. Bouka je vois Boulez-vous virginité sacrée. Ni bouka maman, vous virez que vous ce sont les trois choses que tu dois garder pure. Bintu bisa tu bidi ouais on songe kaji. N'as-tu pas amené du long à mon université? Où dis-tu avoir coupé l'âme? Alors je ne voulais pas trop charger. Tu es le monsieur pour vous diriger à bout de ça. Je crois que vous m'avez bien suivi. Dingue le mec une banque de dans mise en garde du prophète. Mou. Dis-tu monsieur qui a contracté pas un mariage mixte. En aucun cas, un croyant doit épouser une incroyante. En aucun cas, le contraire. Quand Moïse avait dit ça aux enfants d'Israël, ils ont pris ça au sérieux. Dieu peut vous conduire d'une certaine manière. La façon que je parlais, je ne voulais pas mépriser les gens peut-être qui prient dans d'autres églises. Mais voyez, le prophète dit, vous êtes quelqu'un qui croit exactement ce que vous croyez. Voyez, dans des groupes de prières, dans d'autres dénominations, ils voient les choses autrement. Et vous voyez autrement. Vous avez cru le message. Mais n'ont pas cru le message. À moins qu'elle arrive à se convertir. Nous, nous avons des principes. Parce que nous, nous savons qu'une femme, quand elle est mariée, elle est liée par la loi à son mari tout le temps de sa vie. À moins que le mari meure, si elles sont séparées et que l'homme est encore vivant, cette femme ne peut pas se remarier. C'est seulement les frères du message qui comprennent ça. Et il va te protéger. Il va te protéger. Vous irez voir les pasteurs. Mais quelqu'un qui ne comprend rien de ça, il t'écrit l'état allez te remarier. C'est ce que tu cherchais. Maintenant, pasteur, quel est mon sort? Qu'est-ce que moi je peux te dire? Tu connaissais les pour et les contre. On respecte les vœux. Inclinons nos têtes. Si vous avez des oreilles, toi, jeune homme, heureux comme tu n'es pas encore entré en mariage, pour faire un bon choix. Vous qui êtes en fréquentation, prolongez encore pour découvrir le vrai caractère. N'épousez pas la beauté, épousez le caractère. Tu risques d'avoir des problèmes dans ta vie. Vous suivrez Eliezer. Quand il est arrivé pour le choix, il a prié sérieusement.
Il a demandé un signe. Quand il ne saura pas voir ça par l'apparence extérieure. C'est Dieu qui doit te conduire. Faites attention, ma fille. Faites attention, mon fils. Tu vas ruiner ta vie. Tu vas ruiner ta vie. Tombe sur une mauvaise femme. Tu vas ruiner ta vie si tu tombes sur un mauvais garçon. Parce que vous êtes liés. Quand nous arriverons au vœu, vous comprendrez. Le vœu est sacré. Jusqu'à ce que la mort vous aille. Cette fille, ne prenez pas la légère cet avertissement. Ne contractez pas de mariage avec des incroyants quand tu sais très bien. Ne soyez pas séduits par cette beauté extérieure. Je nomme, ne soyez pas séduits par la beauté extérieure. Surveillez le caractère. La beauté va faner quand on va vieillir. Mais le caractère va rester. Épousez le caractère. Épousez pas la beauté, épousez le caractère. Pour cela, il faut du temps pour bien étudier cette fille. Il faut du temps pour étudier ce garçon. Et restez prêts, sinon tu seras malheureuse dans la vie. Que Dieu nous aide. Que celui qui a des oreilles entende. Uccidiano somba le nulla aisha anta o volucane dopo vincine uccidiano somba le nulla aisha anta o volucane. Wewe uchidiano somba, wewe ulula maisha anzani. Ufulukane, umule vichuri kutala. Wewe uchidiano somba, wewe ulula maisha anzani. Ufulukane, umule dans le chemin des contrats de mariage mixte, arrêtez s'il vous plaît.
Trois jeunes hommes. Si tu étais sur le chemin d'avancer avec une fille non croyante, arrêtez s'il vous plaît. Ne contractez pas des mariages mixtes. Akaba paye cher. Ne suivez pas la voie d'Akaba. Revenez sur le chemin. Revenez sur la voie. Solo Yesu aboyaka kote Atayo jadi mabe Kenosu Ako beka yuka kako ya Epaina ye Muka maka nuniko Kolo Yesu amo ya kamo tope Atayo jali mabe nuke nyoso Ako benga yoka kamo ya kepaina ye Oka mata no niko Katia no pato, aleluya. Katia no pato, yo pate, koyo kasomite. Yesu ajali na yo mama, yaka. Si vous êtes sur le point de faire le choix, priez sincèrement de tout votre cœur. Ah oui, quand nous avons dit que 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 nous avons dit si tu t'attends qu'un homme puisse t'épouser, tu as déjà quelqu'un, priez sérieusement. Si tu t'attends qu'un homme puisse t'épouser, tu as déjà quelqu'un, priez sérieusement. Ce n'est pas parce qu'il est membre du tabernacle de Mujiman. Mais le caractère de la nouvelle naissance, c'est ce que tu dois viser. Risque de ruiner ta vie entière. Et celui qui a des oreilles entend. Et où dit-il, Machi, à Téléja, Kabuluku, Gafokambila.